Chers amis entrepreneurs, chers abonnés, bonjour. Merci d'être encore avec nous aujourd'hui. Le gombo, du nom latin Abelmoschus esculentus, de la famille des Malvacées, est une plante à fleurs originaire d'Afrique de l'Ouest. Il a des gousses vertes comestibles. Cultivé dans les régions tropicales, subtropicales et tempérées chaudes du monde entier, le gombo est utilisé dans les cuisines de nombreux pays. Le gombo est une plante vivace, souvent cultivée comme plante annuelle dans les climats tempérés, atteignant souvent environ 2 mètres de hauteur. En tant que membre des Malvacées, il est apparenté à des espèces telles que le coton, le cacao et l'hibiscus. Les feuilles mesurent 10 à 20 cm de longueur et de largeur, lobées palmatilement avec 5 à 7 lobes. Les jeunes feuilles de gombo peuvent être cuites de la même manière que les feuilles de betterave ou utilisées dans les salades. Les fleurs mesurent 4 à 8 cm de diamètre, avec 5 pétales blancs à jaune, souvent avec une tache rouge ou violette à la base de chaque pétale. Les pollens sont sphériques et mesurent environ 188 microns de diamètre. Le fruit est une capsule mesurant jusqu'à 18 cm de long, avec une section transversale pentagonale contenant de nombreuses graines. Les gousses de la plante sont mucilagineuses, ce qui donne lieu à la glu ou à la bave caractéristique lorsque les gousses sont cuites. Le mucilage contient des fibres solubles appelées pectines qui gonflent dans l'eau. Une façon possible de désembuer le gombo est de le faire cuire avec un aliment acide comme les tomates pour minimiser le mucilage. L'huile de gombo est comestible. C'est d'un jaune verdâtre, extraite des graines de gombo. Il a un goût et une odeur agréables et est riche en graisses insaturées telles que l'acide oléique et l'acide linoléique. La teneur en huile de certaines variétés de graines est d'environ 40%. Parlons des variétés de gombo. Nous avons la variété Clemson Spineless. Cette variété de gombo compte parmi les plus appréciées aux États-Unis. Vigoureuse, elle est aussi très productive. Elle fournit une multitude de longs fruits lisses, vert foncé à section ovale. Sa taille peut atteindre 1 à 1,60 m. L'écart entre le semis et la récolte est de 60 jours. Nous avons la variété Kadjundjour. Les plantes de cette variété forment de petits buissons non velus portant des fruits d'une quinzaine de centimètres de longueur réputés pour leur tendreté. La taille peut atteindre 0,60 m. L'écart entre le semis et la récolte peut varier entre 50 et 55 jours. Ensuite, nous avons la variété Blondie White. Comme son nom l'indique, cette variété de petite taille se caractérise par le coloris de ses fruits d'un vert très pâle à section pentagonale. Ce gombo précoce est très bien adapté aux régions au climat plus frais. Sa taille peut atteindre 0,60 m. L'écart entre le semis et la récolte peut varier entre 48 et 50 jours. Nous avons aussi la variété appelée Star of David, c'est-à-dire étoile de David. Comment ne pas être impressionné par ce gombo, une variété ancienne originaire de la Caroline du Nord. Son plant, non ramifié, peut dépasser 3 mètres de hauteur. Il se pare de feuilles colorées de violet et porte des fruits verts de 12 à 15 cm de longueur, particulièrement charnus et à section étoilée.
sa taille peut atteindre 3 mètres. L'écart entre le semis et la récolte peut varier entre 60 et 75 jours. Nous avons également la variété Emerald Green, long, lisse, d'un superbe vert foncé. Les fruits à section arrondie de cette variété restent tendres même lorsqu'ils prennent de la grosseur. Emerald Green a été introduit en 1950 par la fameuse société de soupe Campbell. Sa taille peut atteindre 2 à 3 mètres. L'écart entre le semis et la récolte peut varier entre 55 et 60 jours. Finalement, en dernière position, nous avons la variété Red Burgundy. C'est une variété superbe. Cette variété américaine vous séduit tant par son apparence que par la beauté de ses fruits couleur rubis, longs de 15 à 25 cm. Ses fleurs sont d'un rose frais, ses tiges d'un carmin étincelant. Sa taille peut atteindre 1,20 m. L'écart entre le semis et la récolte peut varier entre 55 et 60 jours. Semis et plantation. Le gombo se multiplie uniquement par semis. N'hésitez pas à laisser des fruits poursuivre leur maturité pour en récolter les graines. Celles-ci sont alors noires. Leur faculté germinative est de 5 ans. Le gombo est cultivé dans toutes les régions tropicales et tempérées chaudes du monde pour ses fruits fibreux ou ses gousses contenant des graines rondes et blanches. Il fait partie des espèces végétales les plus tolérantes à la chaleur et à la sécheresse au monde et tolère les sols riches en argile et en humidité intermittente. La plante ne peut croître qu'au-dessus de 16 degrés Celsius et, pour fleurir et fructifier, doit se prélasser à des températures moyennes de 25 à 30 degrés C. Il pousse dans tous les sols humifères et bien drainés, et ses racines craignent l'excès d'humidité. En dehors des régions méditerranéennes, il est conseillé de le cultiver en pot, sous serre ou en véranda. Comment faire germer les graines du gombo? Certains agriculteurs vous diront de maintenir les graines hors de l'eau, mais dans une atmosphère humide. Pour cela, 2 à 3 fois par jour, rincez les graines avec de l'eau à température ambiante, puis mettez-les à égoutter à la lumière, mais à l'abri d'un soleil trop direct. Au bout de quelques jours, 2 à 3 selon les graines, le germe apparaît. D'autres vous diront tremper les graines pendant 24 heures dans de l'eau tiède, semer sous abri à 18 degrés C. Dans cette vidéo, nous vous dirons qu'en culture, les graines sont trempées toute la nuit avant d'être plantées à une profondeur de 1 à 2 cm. Le gombo préfère une température du sol d'au moins 20 degrés C pour la germination, ce qui se produit entre 6 jours et 3 semaines avec les graines trempées. En tant que plante tropicale, elle nécessite également beaucoup de soleil, doit également être cultivée dans un sol dont le pH est compris entre 5,8 et 7, idéalement acide. Les semis nécessitent beaucoup d'eau. Le gombo se sème en mars ou en avril au chaud. Des températures de 20 à 25 degrés C sont nécessaires pour sa germination. Semez 3 à 4 petites graines rondes dans des pots de 6 cm de diamètre minimum. Si le temps extérieur repousse le moment de planter les gombos en pleine terre, repiquez les plants dès qu'ils atteignent 5 cm de hauteur dans des contenants plus grands. Un conseil, la levée des graines de gombo peut être capricieuse. Pour faciliter la germination, faites au préalable tremper les semences dans de l'eau tiède 12 heures avant le semis. Ça, c'est-à-dire toute la nuit. Répétons-le, les gombos exigent beaucoup de chaleur. On ne les installe en pleine terre que lorsque la température de cette dernière atteint au moins 16 degrés C, soit à la mi-mai dans la région méditerranéenne. Installez les plantes sur un rang en les espaçant de 50 cm. Creusez une cuvette d'irrigation au pied de chaque gombo. Si vous cultivez le gombo sous serre ou dans une véranda,
plantez-le dans un contenant rempli d'un terreau allégé de sable et faisant au moins 60 cm de profondeur. Le gombo a besoin de chaleur, mais cette plante tropicale exige aussi beaucoup d'humidité. Apportez-lui de l'eau très régulièrement et plus particulièrement à la floraison, puis jusqu'à la fin de la production. Si vous souhaitez apporter de l'engrais au gombo, veillez à ce que celui-ci ne soit pas trop azoté, car l'excès de cet élément favoriserait la croissance de la végétation au détriment de la fructification. Pour les variétés les plus hautes, il peut être profitable de couper l'extrémité des tiges dès que celle-ci atteigne 1,50 m. Cet essaimage permettra par ailleurs aux plantes de mieux se ramifier. Les gousses deviennent rapidement fibreuses et ligneuses et pour être comestibles comme légumes, doivent être récoltées lorsqu'elles sont tendres et matures, généralement dans la semaine suivant la pollinisation, avant que ces graines ne noircissent et que ces tissus ne deviennent fibreux. La première récolte sera généralement prête environ 2 mois après la plantation et mesurera environ 51 à 76 mm de long. Vous récolterez donc les capsules de 5 à 10 jours après la fécondation à la chute des pétales. La cueillette des gombos peut s'échelonner sur plus de 2 mois. Pour la conservation, les gombos frais ne se conservent pas très longtemps, 2 à 3 jours, peut-être enveloppés dans un sac en papier au réfrigérateur. Ça, c'est pour le consommateur direct. Ces fruits se prêtent en revanche très bien au séchage. On coupe les capsules en rondelles qu'on laisse sécher dans un endroit chaud et surtout aéré. Le gombo ainsi séché peut être conservé pendant toute une année en gardant les nutriments et la coloration. Il suffit de les laisser tremper durant 4 heures dans de l'eau ou de les plonger dans une soupe ou une sauce pour les réhydrater. En 2021, la production mondiale de gombo était de 10,8 millions de tonnes, menée par l'Inde avec 60% du total, et le Nigeria et le Mali étant les producteurs secondaires. La maladie la plus courante affectant le gombo est la flétrissure verticillienne, provoquant souvent un jaunissement et un flétrissement des feuilles. D'autres maladies comprennent l'oïdium dans les régions tropicales sèches, les taches foliaires, la mosaïque jaune et les nématodes à galles. Le gombo est sensible aux attaques de nématodes, ainsi qu'aux pucerons et aux aleurodes. Mais ces ravageurs ne font réellement de dégâts que sur des plantes cultivées en grande quantité. Ils ne sont pas préoccupants dans le jardin amateur. Merci de nous avoir suivis.